dans cette nouvelle vidéo de Gimmicky. Mais les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un concept de malade, les gens. On a réfléchi pendant 1000 ans. On non, a fait un break. J'ai réfléchi en deux secondes, j'ai l'idée, je me suis dit. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir en carte Pokémon? Donc on a pas mal de cartes Pokémon, on a plein de trucs. Et on a envie d'ouvrir de Destinée Radieuse. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on se dit? Déjà on va faire aujourd'hui la pire extension Pokémon ever en termes d'ouverture versus la meilleure. La meilleure. Et donc la pire, qu'est-ce qui est la meilleure? Notre expérience récente d'ouverture. La meilleure, Destinée Radieuse. Voilà, Destinée Radieuse, voilà, on n'en parle même plus. Destinée Radieuse, on connaît les gens, vous voyez, les ouvertures, c'est incroyable. La pire, c'est pas Evolution, hein. C'est juste qu'on n'a pas de chance dans Evolution. Voilà, on n'a pas eu de chance. La pire, les gens, vous l'avez vu sur la miniature, et eh bien oui, on a décerné notre trophée de la pire. Alors on aurait pu faire ça, on aurait pu faire des petits trophées de récompense. La pire extension Pokémon à ouvrir récente, c'est-à-dire que si vous voulez commencer Pokémon, ouvrir pour vous faire plaisir et tout, la plus frustrante, la plus nulle. Et on... Attends. On a... Voilà. Roulement de tambour. Voix du maître. Parce que c'est nul. Il y a que deux bonnes... Enfin, allez. Quatre bonnes cartes. Voix du maître, il y a... il y a quelques bonnes cartes. Il y a quand même deux Dracaufeu, hein. C'est quand même stylé, voilà. Mais, d'une, il y a eu beaucoup trop de tirages sur les coufrets Mouton et Sort Silence. Oui. De deux, ils ont été bradés en solde. Et de trois, tu peux avoir maximum une V dedans. Une carte. J'espère maximum. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est passé, les gens, on va paquer Dracaufeu, tout va être éclaté, on va se dire non. Donc, si jamais ça vous plaît le concept, les gens, d'ouvrir la pire versus la meilleure, faut pas hésiter à le mettre. Voilà, comme ça, on pourra en refaire si jamais ça vous plaît le concept. Ça peut être marrant. Alors, je sais pas, peut-être quelqu'un a déjà fait et ça, donc, mais en tout cas, ça nous a traversé l'esprit, on se dit, on a plein de voix du maître. On a pas mal de Destinée occulte, de Destinée radieuse. Destinée occulte, on en a plus. Mais Destinée radieuse, on en a plein. Parce qu'on on achète un peu tout le temps dès qu'on en trouve pour avoir du stock, pour se faire plaisir, parce que c'est incroyable. Et du coup, moi, je serais d'avis déjà que vous mettiez un pouce bleu et s'abonner à la chaîne pour commencer. De commencer par Destinée Radieuse pour mettre la barre. Ah bah non, moi je vous ferai le pire. Bah le pire avant le meilleur. Ok, d'accord. Bon. Le meilleur pour la fin. Oui, le meilleur pour la fin. Mais on commence tranquille. Donc on a du stock, les gens, aujourd'hui. Oui. On va quand même se donner un peu de chance. Parce qu'on se dit, si on ouvre aucun, forcément on va en avoir forcément, un pourri. Forcément, voilà. Sauf que si on ouvre quatre qui sont pourris, ça démontrera toujours que c'est la pire. Donc, exactement. On va vous montrer ça. Et là, tu vas voir, ça va être l'inverse. Non. Ça donc, pas on va être commencer possible. Avec au Mouflon. Vu, au vu de ce qu'on a ouvert dans les Destinées Radio récemment, ça peut pas les être gens, mieux que Destinées Radio. Si aujourd'hui, on pack Dracaufeu dans des envois du maître, je crois que je mange une carte Pokémon. Mais non, mais notre concept qui tombe à l'eau, en fait. Je mange une carte énergie Pokémon, ok. Alors, on va voir si c'est bon comme ça. Ouais, bah, tu viendras tout seul à manger. Non, parce qu'il faut que le concept y marche. Ben parce que oui. Le problème, c'est que les gens, nous, on est persuadés que c'est nul. Le problème, c'est qu'à tous les coups, ça va être bien. Voix du maître. Alors, honnêtement, voix du maître. Tu prends à droite, tu prends à gauche. Pourquoi c'est nul? Parce qu'en fait, c'est comme si Destinée Radio ou Destinée Occulte, il n'y avait pas de Shiny. Voilà. Et qu'il y avait un Dracaufeu. Voilà. Et qu'il y avait Charmy Full Art, les 5 dresseurs Full Art et quelques VMAX et quelques. Et du coup, c'est la pire. Parce qu'en fait, les gens, il y a 73 cartes à voir avec 7 secrètes. Et c'est nul. J'ai jamais vu une extension Pokémon française avec après, si peu de les cartes. Les Dracaufeux sont magnifiques. Les Dracaufeux sont assez incroyables. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Oui, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ils sont vraiment magnifiques, sauf qu'en fait, tu peux seulement avoir un bon Dracaufeu à la fin. Tu peux pas avoir de Shiny à la place de la River. Donc j'espère que le dieu de Pokémon ne va pas nous donner un Dracaufeu pour casser notre concept. Ça voilà. Pokéball, énergie, Sharpedo. Non, logiquement, on a bien calculé nos statistiques, donc normalement, ça va être... normalement, ça va être... Aujourd'hui, les gens, ça va pas être terrible. Donc là, c'est normal. Et on finit avec... Voilà. Un support. On commence par vous démontrer... Voilà, on commence par démontrer qu'en un booster de 11 cartes, c'est ça. Donc si jamais vous hésitez... Entre Destinée Radieuse et Voix du Maître, n'achetez pas Voix du Maître. Courez vers Destinée Radieuse. Voilà, même s'il y a certains coffrets avec Destinée Radieuse qui sont moins bien. Voilà. Dans l'ensemble, c'est vraiment. Dans l'ensemble, c'est. Bah, mon frère en a ouvert là. Statistiquement, vous avez plus de chances d'avoir un truc dans Destinée Radieuse. En 3 coffrets, il y a une VMAX Scolossand. Il y a une c'est incroyable. C'est non, Scolossand, non. Scolossand. Ah oui, Scolossand, pardon. En pas beaucoup de choses, quoi. Donc, du coup, c'est assez énorme. Voilà. Allez. J'espère que je vais pas avoir... Franchement, les gens, j'espère que je vais pas avoir quelque chose. Parce que. Non, mais si une V pourrie, tu vois. Ou Nabil. Nabil. Ou Krakos. Voilà. Ah oui, voilà, c'est ça qu'on va avoir. Les cartes qu'on aime, quoi. Tous ceux qui connaissent Voix du Maître, ils sont passés par là. Qui ont ouvert. Allez, encore un dresseur. Ah, pas un dresseur. Sharpedo. Sharpedo. Une Bagaille. Rare Reverse. Et pour finir. Ah, une VMAX. Bleu, Toriyamor. VMAX. Bah, du coup, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est dommage. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Mince. Mais attends, s'il y a de ça, c'est pas... Non, c'est fou, hein. Non, c'est très cool. Franchement, c'est bien. Non, c'est bien. Non, c'est bien. C'est très très bien. C'est une très belle carte. Non, c'est vrai pour tu vois, notre conseil, tu vas tomber à l'eau. Pour voir du mec. Alors qu'on en a ouvert, on en a ouvert tu même. T'es même pas hypé, tu sais que ça aurait pu être un arc-en-ciel, hein. Elle est mal coupée, hein.
Elle est vraiment mal coupée. Non, mais on en a ouvert hors vidéo et tout. Et non, on a voulu faire plaisir parce qu'en fait, il s'est passé, Jean, vous le savez, on en a parlé sur. Oui, Twitter, on les a trouvés en sol. En sol, moitié prix, 12 euros le coffret. Tu fais bon, 12 euros le coffret, on va se faire plaisir. On n'est pas obligé de faire tout en vidéo. Et on arrive. Si en vidéo, on a quand même une arc-en-ciel. Hein. Holo. Et donc, on a une holo par booster. Donc, vous ne dites pas oui, vous avez des holos. C'est une holo par booster. Donc, en fait, elles valent rien. Voilà. Et l'extension n'est pas du tout rare. La trainer box, pour le coup, elle est même pas montée, alors qu'il y a quand même un Dracaufeu V Full Art dedans. En fait, ils ont survendu l'extension uniquement avec 3 Dracaufeu. Ils se sont dit, oh, il y a 3 Dracaufeu, c'est bon, ça va se vendre. Gripat. Et je pense pas que ça soit tant vendu finalement. Énergie. Bah, je pense qu'au vu de comment on pack un Dracaufeu, il y en a qu'on abandonné assez rapidement. Ouais, et puis le prix des Dracaufeu en plus. Hein. Et une V. Franchement, c'est un très très bon coffret Voix du Maître. Ouais, voilà. C'est un très très bon. C'est bien. Oui, on commence bien. Je suis choqué. Non, c'est parce qu'on a de la chance en ce moment. Vas-y. Allez, un sort silence et puis du coup on fait l'inverse, c'est toi qui commence. Ok. Et après on ira voir un tour de Destinée Radieuse. Mais dans Destinée Radieuse on aura rien. Et là on va faire. Imagine. Oh, oh non, mais notre. Normalement Destinée Radieuse doit gagner, hein. Vraiment. Hein. Est-ce que tu y arrives? Vas-y. Ils sont durs ceux-là. Hein. Ils sont pas collés pareil. Non, on avait vraiment dévalisé un magasin, les gens, et ils avaient, mais je vous jure que quand on est arrivé, c'était un carrefour. Ils avaient, ils avaient restock, parce que le matin, quelqu'un avait déjà dévalisé apparemment. On est passé à la caisse, on dit, c'est vous qui avez tout pris ce matin? Bah non. Non, c'est pas nous, non. Non, on vient d'arriver, on vient de se lever. Voilà, parce qu'on avait pris quelques coffrets à la caisse, ça faisait beaucoup de coffrets. Mais les gens, il y en avait au moins 200 ou 300. C'était insane la quantité qu'il y avait. C'était n'importe quoi. Pour le coup, ça n'a pas dû se vendre, quoi. Et donc, Voix du Maître, c'est dommage parce que ça partait bien, tu vois, t'as les Dracaufeu, c'est cool. En plus, on a galéré à avoir les Dracaufeu, les gens, c'était. On les a eu au bout de 200-300 boosters. Par contre, ton frère, il les a eu, c'était incroyable. Coffret Ludester, il avait eu deux coffrets Ludester. Un Dracaufeu dans chaque, énorme. Trévis. Est-ce que tu as quelque chose? Bibichu. Et Zygarde. Ouais. Là, normalement, pour avoir un très bon coffret, il faudra rien avoir. Pour avoir notre théorie qui est bonne. Parce que le problème, c'est que si on a quelque chose. Non, c'est une V. Non, franchement, pour le coup, je veux vraiment pas maquiller dans le feu, sinon ça éclate toutes les stats, tu vois. On commence à lui dire donc c'est pire. Hop. Pas possible. Franchement, c'est pas possible. Il faut qu'on ait un truc nul. Aspico. Coconfort. Carvana. Tu vois que là, on va rien avoir. Potion. Et donc ça a commencé à montrer un peu. Énergie. Chapotus. Parce que c'est pas comme si c'était un seul qui était pas terrible, les gens. Miamiasme. Il y en a, on en a ouvert. Voilà, regardez, y'a rien. Non mais on vous a dit que c'était... Non, franchement le premier était très très bien. Le premier était très bien. Parce qu'en plus c'est pas des foulards dégueux, c'est des max. Ouais. C'est pas mal. Franchement pour du Voix du Maître c'est un des meilleurs coffrets qu'on a dû ouvrir. Je pense que c'est... Oui, il fait partie des meilleurs. Je crois qu'on a eu dans un coffret, on a une arc-en-ciel. Ça colle donc je dois avoir quelque chose encore une fois. Une petite V. Normalement c'est une V par, par coffret. Maximum quoi. Ouais. Gardevoir, Torgamor, je sais plus qui y a. Charpedo, Peterson, Chapotus. Rosemary. T'es abonné à Rosemary. Et une V. Donc une V, voilà. Et la V. Et c'est blanc coton. Blanc coton. Voilà. Normalement, c'est ce qu'il y a. Alors, mettre 73, c'est pas beaucoup. Est-ce que vous allez dire, oui, mais Destiny Radio, c'est pareil, c'est 60. Stuff, il y a 122. Et... Oui, t'as eu deux fois Rosemary. T'es abonné à Rosemary. C'est pas mal, Rosemary. Sauf après, que, en fait, voilà. La lumette, elle a été tellement ouverte et tirée que je pense qu'elle a décoté de ouf. Oui. Et puis ça a tellement été ouvert pour tous les gens qui essaient d'avoir Dracaufeu, nous compris, parce qu'on a toujours envie de l'avoir. On se dit, allez. On vient d'ouvrir, je sais pas combien de coffrets. Là, c'est depuis qu'on a fait les soldes, c'est peut-être les dixièmes qu'on ouvre. Oui. On se dit, allez, on va peut-être avoir peut-être un Dracaufeu. Je crois qu'on a eu une arc-en-ciel, on a eu Torgamor arc-en-ciel ou Gardevoir, je sais plus. Et bien sûr, bah oui, on kifferait avoir Dracaufeu, c'est incroyable. Sauf que si on faisait des vidéos d'ouverture que de Voix du Maître, on deviendrait. On pleurait. Surtout après Destinée Radieuse. Donc, on a trouvé le match-up. Donc. Et... Ah bah. Pff, non, mais ça va, tu l'aimes, Rosemary. Mais surtout qu'on l'a paqué. Ouais, en fait, faut que je t'avoue quelque chose. C'est ma crush. T'as acheté la figurine alors? J'ai acheté la figurine, j'ai acheté la tête d'oreiller en forme de Rosemary. D'ailleurs, t'as pas vu, elle est dans le lit. Non, j'ai pas vu. Non, je l'ai caché dans la cabine. Et tout au début là. Ouais, voilà. Les gens, en deux coffrets, j'ai eu. En 8 paquets. Deux fois Lolo, deux fois la Reverse. Trop bizarre. Bon, vu qu'on a eu qu'une V. Je pense qu'on va partir sur Destinée Radieuse. Voilà, on va fêter, on va voir, on va commencer à faire le duel. Allez. On va faire un Pikachu et un tripack. Parce que on aime bien acheter pas que des Pikachu parce que tout le monde a tendance à prendre que les Pikachu en magasin. Donc c'est plus dur à trouver. Non, ça, et en vrai, les tripacks sont très 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 bien. Ils sont vraiment ouf. On a packé la gold uniquement dans les tripacks.
Bah non, vas-y, c'est à toi. Ah, oui. De finir. Ok. On a packé, oui, Dracofeu, on l'a packé que dans les Pikachu. Sauf que Dracofeu, ça commence à faire 200 boosters qu'on l'a pas vu. Hein. Oui. Là, on a eu 3 ultras dans 8 boosters. En 2 coffrets. En 2 coffrets. 3 ultras. Du même prix en plus en magasin, c'était 25€ en prix de base. Donc c'est vraiment le même produit là. Oui. C'est la même chose, sauf que déjà t'as Pikachu au lieu d'avoir sort silence ou mouflon. S'il te plaît. Non mais tu sors quelque chose parce que le problème c'est que. Hippotrempe. Donc là le but c'est pas de claquer un truc de ouf, c'est de se dire c'est mieux ou c'est moins bien. Ou c'est meilleur. C'est... Motisma, bouclier rouillé, Celebi et recherche professorale. Pour l'instant c'est moins bien. On commence doucement. Pour l'instant c'est un peu moins bien. Tu vas en rien paquer. Le karma. Allez. Allez, allez, on est positif. Dracofeu. Nous ce qu'on veut c'est Dracofeu. Non, il manque le gold. Non, les petites qu'on n'a pas, il y en a plein de petites qu'on n'a pas. Une petite qu'on n'a pas, il y en a vraiment un paquet de petites cartes qu'on n'a pas. Yanma. Il y en a une tonne. Smogo. Une méga tonne. Bah Morpeko déjà. Oui. Hippotrempe. Il y a Smogo, Mimigan, Smogogo. Énergie. Il y a Pomdrapi, soit sous évolution. Badaboin. Oh ah voilà. On commence bien. Oh, oh oui. On l'avait pas. Il y a quelqu'un qui va être jaloux, yes, parce que mon frère a paqué tout à l'heure Berserkart et en fait du coup il nous l'a filé parce qu'on l'a qu'en jap. Et du coup il a dit oh il est trop mignon ma husque de Galar, en plus comme j'ai Berserkart en gold, parce que lui oui il a celle de Clash d'Urvée, il l'a paqué. Ça compte comme une ultra, ça. Hein. Ça c'est très très bien. C'est mieux qu'une V. Ah, en plus de... on l'a pas, c'est ouf. C'est ouf, c'est on très bien. On l'a en japonais. Ouais ouais ouais. Mais on l'a pas en T'es français. T'es sûr qu'on a eu en japonais? C'est pas Berserkart oui, oui. qu'on a en japonais. Non, ah, on oui, a non, les deux en japonais. Ça c'est cool. Il faudrait au moins une compté, autre petite. On a compté, il nous en manque 36. Bah non, mais en fait c'est tout un truc qui fait que c'est plus stylé à ouvrir parce que parce qu'en fait il y a toute une complétion à faire au ouais. niveau d'une extension qui c'est est super ça. stylée, avec des Pokémon shiny, avec beaucoup de Pokémon différents. T'as 122 secrètes alors que l'autre t'en a 7. Oui. Nigosier. Ah, non. Les Krakenois. Oh, oh no Stamper VMAX. Voilà. Ça, c'est bien. Destinée radieuse. Il manquerait plus que j'ai encore un truc et puis bah c'est bon. Non, mais pour l'instant, ça équivaut au premier. Pour l'instant, ça vaut le premier. Ouais. Parce que le premier, c'était une VMAX et une oui. V. On va dire que ça s'équilibre, ça même s'il avait, c'est moins rare que ouais. ça. Ouais, après, on va dire que ça correspond à une V. Allez. On continue. Normalement, c'est voix du mec. C'est la meilleure extension, donc logiquement, ça bat. Tous les records. Et flèche. 2. 3. Ah. C'est un bon coffret. Match nul. Match nul. Match ouais. nul. Match nul. Non, c'est un coffret. Oui, c'est un bon coffret. Oui, c'est un bon coffret Pikachu. C'est un bon coffret Pikachu. C'est un bon coffret. On aurait dû ouvrir des coffrets Pikachu parce que le problème c'est qu'on va pas avoir. Bah oui, on va l'égalité. Pas avoir. Bah oui. Bon, est-ce qu'on échange au magasin de Guillaume et Kim les coffrets contre les coffrets Pikachu? Bah attends, on ouvre le coffret Pikachu, on va voir. Mais du lourd ou pas? Bon, déjà, on a commencé par une petite qu'on n'avait pas. Ça, et ça, c'est très très bien. Parce que c'est, ça commence à être difficile d'avoir ce qu'on n'a ouais. pas, alors qu'il en manque énormément. Non. C'est chaud à quel point t'as toujours la même carte. C'est comme là, les gens. Non, on a ouvert hors vidéo, c'était trop drôle. Ah, on a eu deux fois, oui, messire. On a ouvert un tripack et on a ouvert. Oh ouf. C'est quoi cette marge? Ouf. Oh, j'espère que c'est pas une grosse carte. Hein. Ouf. Oh, j'espère que c'est pas une grosse carte. Hein. Oh là, ça fait peur. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Oh, je pense que c'est. Oh non, j'espère. Oui, mais c'est pas... la rare, c'est la rare, on s'en fout. Non, c'est pas la rare. Ah bon? Oh non, oh, c'est une grosse carte. Oh non. Quand il y a autant de défauts d'impression, généralement, c'est que c'est des full art. T'es sûr? Oh non, me dis pas ça. Oui, mais c'est une full art. Oui, mais le problème, c'est oui, que. Mais si c'est oui, mais si, oui, exactement. Voilà. Oui, mais si c'est Dracofeu, ça fait très très mal. Attention. Ouais. Oh là 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 là! Les gens, elle est horrible. C'est une honte. Mais regardez-moi en bas, le texte ouais. est coupé. Mais regardez-moi la carte. Regardez-moi le maillot. Oh, il déconne ah ouais. quoi. Oh là là. C'est pas grave. C'est non mais c'est ouf. Mais on gagne. On oh gagne. Là là ben là. Voilà, là ben on a gagné. Différence non, de mais là. Ça se voit direct que c'est quelque chose parce qu'il y a que les grosses cartes. Oui qui c'est, font vrai, quoi. C'est vrai. Non mais regardez les gens en bas. C'est, elle, coupé, ouais, c'est tout petit. Bon, celle-là, je pense que. Ah ouais, c'est pas dérangeant en haut parce non, qu'en fait, parce cette que carte pas. A pas de ouais. problème. Ouais. Mais c'est plus le bas, punaise, ça se voit. Quoi. On a gagné avec Destinée Radieuse! Une bah VMAX, oui. ça surplombe tout là. Bon, ah bah c'est oui, bon, bah. Voilà. À la poubelle! Voix du maître! On doit ouvrir les coffrets Pikachu du coup. Oui, du coup, ouais. Parce qu'ils sont pas mal là.
Bah là, il commence pas trop mal. Ah, non, les gens, franchement, heureusement que c'est pas Dracofeu. Oui, ouais. En Goliath, on l'a eu pas mal de fois. Là, c'est on la troisième fois. C'est la troisième. Non, mais les coffrets de. Ils sont éclatés. Ils sont dingues. Non, mais cette extension est ouf, quoi. Là, en fait, c'est un petit peu comme si sur Voix du Maître, j'avais paqué Dracofeu, les gens. Ou une arc-en-ciel, quoi. Oui, c'est ça. Alors que là. Quoi, les. Ah oui, c'est. Yanma. Morpeko, le lapin ronfle. Alors oui, il y en a beaucoup dans les commentaires qui disent oui, on entend un bruit bizarre. C'est le lapin. Il dort. Et si vous écoutez là. Il arrête. En fait, quand on parle, je sais pas, ça le berce. Ouais, ça va être ça. Il est habitué. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Allez, une petite. Oh, elle est magnifique. C'est la deuxième fois qu'on l'a, mais elle est incroyable. Elle est magnifique. On l'avait eu hors vidéo, je crois. Non, j'ai ouvert deux boosters. Non, mais voilà quoi. Non, mais. Destinera 2, c'est une dinguerie. Hein. C'est une tuerie. C'est tout ce que vous voulez comme terme. Par contre, Angolette, elle est dégueulasse. Mais c'est pas grave. On s'en fout. Ah, bah si, c'est dérangeant. Oui, mais moi je m'en fous. Moi je m'en fous, mais comme c'est une double pour l'échange. Oui. C'est un peu dérangeant. Moi je veux un vrai miscut, tu vois, c'est-à-dire qu'on voit Angoliath et au-dessus tu vois Dracofeu et là tu fais ah là ce serait ah ça serait incroyable, les gens ça serait un trophée quoi. Mystery, Yanma. Un objectif de malade quoi, sauf que c'est improbable. Ouais, je pense que j'aurais rien parce qu'au vu de ce que Guillaume a eu. Bah attends, dis. J'aurais peut-être une V ou une V max. Attends, décris pas de défaite avant d'avoir ouvert ton booster. Voilà. Là j'ai rien. Là c'est par contre ça c'est Voix du Maître. Les gens une VMAX. Non mais les gens. Qu'est-ce qu'on demande? Que demande Guillaume et Kim? Des cartes de Destinée Radieuse. De Destinée Radieuse. Par contre Galopin on l'avait déjà. Après c'est seulement la deuxième fois qu'on l'a. Et c'est une très belle carte. Magnifique. Bah non mais il y a beaucoup d'amateurs et d'amatrices de Galopin parce que elle est ouf en shiny. En plus Galopin de Galar. Elle est incroyable. Ouais, bah oui, elle est beaucoup plus belle. C'est pas Galopa de. Frissoni. C'est dans Destiny Occulte. Morpeko. Cacnea. Kéloka. Avec la crinière bleue. Mimigal. Dans Destiny Occulte. Feu. Comme Dracofeu. Motisma. Blanc coton. Allez, Tropius. Du lourd. Tournicoton. Zarude. Et Volcanion. C'est pas mal aussi. Oui, c'est pas mal, ouais. Bon, pour l'instant, bah Destiny Radius. Pour l'instant, Destiny Radius gagne. Puisque en fait, sur le premier coffret, on est égalité, on va dire. Oui. Sauf par contre, sur le deuxième, bah, on a des années-lumière sur l'autre. Hein. Ouais. Sachant que Angoliath VMAX correspond, je dirais, à une arc-en-ciel. Allez. Dans Voix du Maître. On changera les coffrets en Pikachu si on a du lourd dans Voix du Maître pour équilibrer. Parce que le problème, c'est qu'en fait, là, il n'y a que 3 boosters et pas 4. Oui. Mais on verra. Si on n'a rien dans Voix du Maître, on n'ira pas chercher beaucoup plus loin. Après, voilà. Je sais pas, parce que. Enfin, pourquoi c'est une spéciale tripack? Les tripacks, quand même, c'est. Les tripacks sont pas mal. On n'a pas fait de vidéo que de tripacks et les tripacks sont vraiment sympas. Ben, mais en même temps, on commence une vidéo tripack et on veut toujours finir par autre chose. Bah, ben, c'est ça le problème. Hein. Les gens, c'est compliqué. Tu veux quel côté? Droite ou gauche? Droite. On part toujours sur la droite. Et en vrai, les gens, il y a pas mal de vidéos qu'on aimerait bien faire Pokémon, sauf qu'on fait déjà une vidéo par jour. Et parce qu'en fait, il y a plein de trucs annexes comme où acheter les cartes. Quoi acheter comme protège? Ouais. Tout le monde nous demande, les gens, vous êtes est-ce que ça vous des dirait... dizaines à nous envoyer des mails, des stories Insta, des tweets pour nous dire c'est quoi les pochettes, même si on le dit, les gens. Alors, je vais le dire parce que... Non, je pense qu'on fera une vidéo spéciale. Ouais, on fera spéciale. Une vidéo, voilà. On fera une parce vidéo. Parce qu'il y en a plein qui nous demandent, comme ça au moins, mais je l'ai déjà dit, hein, c'est KMC, c'est KMC. Les Perfect Fit. En gros, en France, c'est dans les 4€ dans les magasins de ce jeu de société. Oui. Et sauf que vous pouvez avoir moins cher à certains endroits. On en parlera. Voilà. On vous mettra des liens non traqués. On vous mettra plein de trucs sans faire de pub à aucun site. Vraiment, comment on achète nous, voilà. Qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Je pense que si ça vous dit, bah, mettez un commentaire. Dites ouais, ça me chauffe. Je veux bien avoir ça. Dites-nous un commentaire. Parce qu'on est un petit peu expert d'achat. Oh, c'est pas mal. Et c'est. Oh là là, ça commence. Mais c'est normal parce que là, on est sur Voix du Maître, les gens. Donc on peut pas être déçus. Exactement. On est vraiment parti en mode on ouvre du Voix du Maître, mais il faut que ça soit nul. Donc c'est un peu le round one en fait. Hein? Round one. Bah le premier round. Le round one. Ah, mais sorry. Ouais, parce que round one. Ça veut dire quoi round? Ah, et puis il y a même pas de gold en Voix du Maître. Non. Alors que là, il y a. Deux gold qu'on a toujours pas eu. Des gold? Ouais, qu'on a toujours pas paqué, mais. On en a eu une, quand même. Ouais. Énergie, Nabil, Victini, Matchhopper, en reverse, Stradbunnery pour finir. Une V, peut-être? Une V, Krakos. Krakos. Voilà. Bah, c'est le quota. C'est ce qu'on avait dit. Bah, ça dépend. Une par. Attends, t'as pas ouvert les tiens? Oui. Tu mets le par là avant d'avoir tout.
En vrai, ça reste des bonnes cartes. Voilà, on est content quand même d'avoir des belles cartes. Mais non, mais c'est bien. Mais en fait, on s'attend à rien en ouvrant des coffrets voix de mouflon. C'est juste une vaste blague. Alors, chaque ripant. Surtout que quand on a quelque chose, ça colle et on le voit. Après, je sais pas si ça colle les shiny. Je sais pas. Showmatch Chopper. Je rêverais de voir un drac au feu, les gens sortir. Ouais, bah c'est pareil, sauf que sur une carte comme ça, tu t'en fous. Arbok. Oh bah, je viens de la voir. Et recherche professeur. Non, tu as ce coffret à... À quelqu'un, il pleure. À un de tes proches, toi. Bah, il a le seum. Quelqu'un que t'aimes pas. Voilà, en fait... Si vous aimez bien la personne à qui vous voulez offrir du Pokémon, vous achetez Destinée Radieuse. Vous ne l'avez pas, vous achetez du Voix du Maître. Ça sera subtil comme message. Voilà. Tiens, je t'ai offert des Pokémon. J'espère que tu auras quelque Goupilou. Chose. Griffpat. Ah bah non. Bibiche. Goupilou. KMC, attends. Les gens. Goupilou, Griffpat, Goupilou. C'est pas... Ah oui, c'est le même. Oh là là. Goupilou. Il y en a deux différents. Ah bah non, bah, ouais, mais bon, Goupilou est bien dans Voix du Maître, j'avais raison. Oui. Oui, mais il est aussi dans Destinée Radieuse. Ah oui, Goupilou, on voit partout. Il doit être joué. Hyper oh là, je vois déjà que t'as pas grand chose. Voilà, voilà. Et Bagaïde. Donc. Donc deux coffrets de suite avec une seule V, c'est Voix du Maître. Voilà. Est-ce qu'on fait Voix du Maître ? Ah bah oui. Oui, ok. On finira que par le meilleur, les gens. Vas-y. Ouais, parce que Kim, elle a pas trop de force. Non, mais ils sont durs à ça. Et en fait, tu fais ça, tu détruis tout, tu fais. Voilà. Ok. Guillaume, il a acheté Moumoufon. En vrai, ce carton-là, j'ai l'impression qu'il est mieux. J'ai l'impression que c'est plus du carton recyclé. Ah, c'est possible, ouais. Que le Pikachu, par contre. D'ailleurs, c'est à quand que... ça en pas plastique hein. C'est compliqué pour leur PLV, mais ouais, bah oui, parce qu'on en parle, hein, des trucs plastiques, des cotons-tiges, ouais, mais les cartes Pokémon, c'est pas mal aussi. Oui, oui, c'est pas mal. Les cartes à jouer en général. Hein. Les cartes Pokémon, c'est pas mal. Ils font pas de coffrets comme ça, Magic. Ils font des boîtes en carton. Ah oui, bah oui. Ils font des boîtes en carton avec des boîtes en carton et des boîtes en carton. Ils font des élites, quoi. 4, 1, 2. Allez, j'aimerais bien quand même si je sais que c'est l'espoir est anéanti. Sépiateur. On fera une. Si franchement, si Voix du Maître se fait éclater, on fera une revanche. Tonal, ouais, on fera une revanche. Ce sera le round 1. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais le premier round. Le premier ouais, le premier round. Là, je suis français. Arbok et. Scolossan. Franchement, ça brille pas beaucoup. Hein. Pour l'instant, on est. On et est... une holo ne vaut pas du tout une shiny petite SV. Hein. Comme on est obligé d'en avoir une dans chaque booster, les holos valent rien. Voilà. À la limite, peut-être les reverse. Peut-être Rosemary reverse. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Drac au feu. Donc faut y aller hein, pour pas qu'il y ait un drac feu dans cette extension. Pokéball. Faut y aller. Match-up. Vraiment faut y aller. Genre. Faut y aller quoi. Total. Je pense que même si on ouvre tous nos coffres, énergie. On en a pas. Mac Chopper. Allez. Moticyclette. Allez. Voix du maître. On prend Voix du maître. Voix du maître. Voix du maître. Oh. Oh non, Krakos. Non, c'est pas Krakos. Non, c'est Gardevoir. C'est Gardevoir. Oh, c'est Torgamore. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aurais préféré Drac au feu. Mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Tu vois. C'est pas mal. C'est quand on demande que. Ah, franchement. Il y a eu deux coffrets bien et deux coffrets nuls. C'est ça. Parce que les gens, honnêtement, même si Krakos ça reste une V, je vous jure que les V de Voix du Maître ça va coûter 2€. Ça ne se vend pas. Je pense qu'elles se vendent même pas. Je pense que là, ça Krakos, ça vaut aussi cher qu'une holo. Hein. Je pense que ça c'est nul. C'est très joli, mais on l'a eu pas mal de fois. Oui, oui. Mais il y a Drac au feu, hein. Drac au feu. C'est pour ça que j'ai eu un élan parce que Drac au feu il est pareil. Sauf qu'en fait il brille beaucoup plus, il est plus clair. Oui, oui, oui. Le gris est plus clair. Le gris est vraiment plus clair. Ça a collé ou pas ? Non, ça a pas collé du tout. Ça colle pas les petites full art. Hein. Parce qu'en fait, comme il y a un revêtement, bah, ça colle pas la carte de. Mais par contre, vraiment, le quota, c'est 1. C'est 0, 1 ou 2. C'est un de Green Boy ? Oui, c'est ce que j'ai eu avant. Et recherche professorale. Ah non, Altaria. Bah, Voix du Maître. Bah, c'est bien, hein. Oui, c'est... Coup, ah c'est non, une... c'est très bien. Ah, vite, 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 le caméra, elle va couper. Faut que je signe ces gens, parce que si je pack Drac au feu, c'est maintenant, là. Bah oui, allez. Bah, c'est le dernier de la vidéo, hein. Un, ah, ça colle. Ah, ça colle, donc peut-être une V. Peut-être une V. Donc c'est souvent V, après, V après, non, hein, ça peut être rien. Oui, ça. Magiguan, Zigzaton, Coconfort, Énergivert. Ok. Ok. Lugia, ok. Ah non, Scolossandre. On a été chercher nos petits. On a échangé au lapin. Parce que on a dit. Non mais le lapin avait des coffrets Pikachu. On l'a dit vas-y on donne les tripacks. Mais on a dit que si c'était pas mal dans Voix du Maître, on prendrait des Pikachu. C'était pas trop mal. La foulard t'a pas mal remonté. Et puis faut quand même qu'on ait exactement le même nombre de coffrets au même prix avec le même nombre de boosters. Exactement. Voilà. Alors du coup c'est parti. On reste plein de tripacks. Les gens on fera un duel de tripacks. On part sur Destinée Radieuse. Allez. On vous ouvrira aussi je sais pas si on a ouvert ou pas style de combat. Oui. Le problème, c'est qu'on n'a pas rushé cette extension parce qu'elle est nulle.
Voilà. Yanma, bah je pense allez, qu'on allez, va vous ouvrir. On va, mais non, on va en ouvrir. Ou on a ouvert, parce qu'il faut quand même ouvrir les nouveautés, mais c'est pas destiné à Ravi. Cacnea, Énergie, dedans, il y a quoi, Nicosier, comment il s'appelle, Motisma, Necrozma. Oh, une SV. Ah oui, bah on est sur Destinée Radieuse. Bah oui, oui. Pas celui qui est écrasé par terre. Oh oui, Vecchia Glaçon. Yes. Regardez, il est rose. Il est trop bien. Yes. On l'avait pas. C'était un des checklists à avoir dans les meilleurs des Shiny qu'on a pas. Regardez les gens. Ah, trop il bien. Il est tout rose, on dirait un petit bonbon. Il est trop trop bien. Bec à glaçon, yes. Pat, je crois qu'on l'avait eu dans aucune langue. Non, on l'a pas. Si je me trompe pas, je crois que c'est vraiment une case qu'on va remplir. En mode, on l'a jamais eu. On a fait, yes. On a rempli la checklist, mais oui. La flamme d'utiliser la checklist, j'aime bien. On l'a jamais eu, voilà. Bah oui. Je sais pas où il va, mais il doit aller. Après, c'est un. Brindibou, Morpeko, 33, Goupil, 5, Evoli, Tournicoton, il va juste là. Énergie, c'est et beau. Flèche, Motisma, c'est beau. Ah, Luxio, c'est moins beau. Et Manashi. Allez, à toi. J'espère qu'on va pas juste avoir ça. Oui, après, j'espère. Soit, bah bien, sinon, on va devoir faire une revanche parce que là, honnêtement. Bah, il y aura pas égalité. Ça tombe pas mais... complètement à l'eau, ce qu'on a dit. Mais c'est pas loin. C'est pas loin quand même. Non, c'est pas mal ce qu'on a eu. En plus, on a eu deux nouvelles, c'est très oui. Cool. Pour la collection. On a eu deux nouvelles et Galopa. Attends, on a même pas ouvert encore. Qui m'est parle avant qu'on ait commencé d'ouvrir à ouvrir finalement. À ouvrir. Allez, au moins une petite, ça serait très cool. Ouais. Parce que en fait, on préfère un paquet des petites. Bah, parce que c'est pour la complétion. Bah, tiens, Morpeko, ça serait bien. Morpeko, ouais. En jaune, du coup. Non. Dommage. Et non plus, Tangamore. On fait des piles de cartes. Non mais les gens, oh, on non, a. Vous allez avoir une surprise. On a acheté un truc. On a acheté quoi? Bah un truc. Pour passer à manger. Ah oui, mais on vous en a déjà parlé un petit peu. Ah oui, mais peut-être que les gens n'ont pas vu l'autre vidéo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous verrez. Oh là là, tu vas rien avoir. Eh ben je pense qu'on va avoir le pire coffret Pikachu et donc tout ce qu'on dit depuis le début. Ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. N'achetez pas. N'achetez pas Destinée Radieuse. Achetez Voix du Maître. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bah, droite. Vas-y, moi. Tu envie droite et gauche. Tu finiras. Est-ce que le meilleur pour la fin ou pas? Tu penses? Bah, j'espère. Non, et pour toi? Bah, j'espère. C'est fini. Hop, 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 hop. Je vais pas toucher. Surtout touche pas toucher. Ouais, parce sinon que je vais pas me spoil ouais. Parce que c'est pas drôle sinon. Ah, sauf si c'est une full art, c'est mieux. Énergie. Oh. Et on va enfin une revanche, je pense. On adore. On adore parce que en fait on dit un truc et en fait il se passe tout le contraire. C'est un peu comme, tu sais, bah, comme le lapin. Ouais, regardez, écoutez, bah t'entends plus rien. Et là il re-ronfle. Il est trop mignon. Il était un peu relou pendant 2-3 jours et là il re-illumine. Voilà, c'est notre vie. Tu vois, on aurait dû ouvrir Evolution Empire avec ça. Arrête de regarder sur le côté, s'il te plaît. Mais je regarde pas, t'inquiète. Si, tu dis tu vas rien avoir et tout. Tu triches. Mais je regarde pas. 1, 2, allez. Ah! Allez! Angoliath! Angoliath! Oh! Oh! Bien! C'est ça, Destinée Radieuse! Ouais, c'est ça qu'on veut! Mais en fait, on l'a déjà, Zigzaton. Oui, bah, Linéon aurait été mieux parce qu'on l'a pas du tout. Morpeko, c'est seulement la deuxième fois qu'on l'a! Il est trop mignon! Regardez! Ouais! Yes! Après, en soi, c'est un peu la même que l'épée bouclier, non? Non, je sais plus. Ah, je sais pas, bonne question, tiens. Voilà, Destinée Radieuse, hein. C'est QFD. Et en plus, j'ai encore deux boosters. Non, mais c'est. Bah oui, on va compter après. Vous allez... On va compter, on va faire l'état des lieux. Et si vous voulez un épisode 2, les gens, il faut mettre un pouce bleu, s'abonner et nous dire dans les commentaires, on veut la suite du duel. On veut la suite du duel. Moi, j'aimerais bien savoir si un jour on va paquer Dracofeu une gold. Parce que. Je sais pas si c'est passé à Dracofeu. Comment on a pu avoir deux fois et après zéro fois. Wish Tempo. C'est incroyable. Bannière de la Tiniel, Badaboin. Après, Dresseur d'arène. Oh ah oui, Morpeko jaune. Morpeko. On en a pas beaucoup des Morpeko. Jaunes. Morpeko. Je crois qu'on va jouer. T'es sûr? Ouais. Est-ce que t'as comme moi, t'as un truc derrière? Oh, oh mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que c'est pas ouf, je fais ah ouais, voilà, ok, d'accord. Mais non, mais les gens, deux boosters de suite avec... Tiens. Mais non, je voulais savoir. Deux boosters de suite avec une shiny et une D-Max. Non, mais c'est vraiment du vol cette extension. C'est incroyable. Alors, je crois qu'on. Non, on l'a. Ouais. Oh non. Si on a... Ah, il ne manque, que Morpeko. Deux jaunes. Non, il ne manque pas. Non, c'est bleu. Bah, il manque juste Morpeko. Donc, on a tout. Hein. Ouais. Tu dis, on n'a pas trop beaucoup, mais on a tout. Ouais. On a toutes les cartes jaunes. Yeah.
Non mais les gens, deux trucs de suite, regardez-moi ce coffret. Quoi. Non mais... Même si voilà, il n'y a pas de full art et tout, il n'y a pas de Zemax arc-en-ciel, c'est énorme. Le meilleur pour la fin, on a dit. Hein. Ah, j'ai déjà fait bien là, on a déjà fait bien tous les deux là. Mais c'est bien parce que c'est un petit duel tranquille. Il n'y a pas trop d'écrasement d'un côté ou de l'autre. Un petit peu quand même, mais... Allez. Est-ce que tu as senti quelque chose? Je sais pas, j'ai pas senti. Enfin, j'ai bien mis les cartes. D'accord. Pas que noir. Ça fait exprès de pas. Voilà. Voilà, Must et Boué. Énergie. Et verrouillé. Ça me stresse du coup. Allez. Allez, un truc lourd pour montrer que dessiner Radius c'est mieux. Oh. Voilà. Allez hop. Finito. T'as dit le meilleur pour la fin. Ouais, le classe. Oh, c'est pas cool. Mal. C'est très cool. Pas non, mal. Les gens, mais et Arcadie. Coffret. Mais ce coffret. Ce coffret quoi. Est dingue. Et voilà, dessiner Radius c'est mieux. C'est... La voilà, même, c'est bon. Non, duel, j'ai eu peur quand on a eu que le Béca Glaçon. Il n'y a même pas duel. Alors, pas duel. Il n'y a même pas duel. Les gens, il n'y a même pas duel. Regardez la tonne de cartes qu'on va avoir. On va quand même faire un récap. En gros, en termes de valeur normale, donc si tu achètes dans le magasin, tu as 100 euros d'un côté et 100 euros de l'autre. Alors, récapitulatif. Voilà. Donc, voix du maître. 100 euros de voix pour du maître. Attends, tu veux peut-être zoomer. Attends, on va zoomer. Vas-y. Pour 100 euros de voix du maître. Ouais, mais non, dézoomer plutôt. Ben non, mais tu les montras dans ta main. Ah hein. Oui. Vas-y, t'as des petites mains. Pour 100 euros, vous avez Gardevoir V, Blanc Coton V, Krakos V, Toriamorph Flart, Toriamorph ouais, V Max. Tu fais... C'est un peu nul. Ou alors, pour 100 euros Destiny Radieuse, à la place de 100 euros de voix du maître, vous tu avez as... Niaouz de Galar en Shiny, Zigzaton Shiny, Galopa Shiny, Galvagon Shiny, Béca Glaçon, Nostanfer V Max, Morpeko V Max, troisième V Max, Sinistrel V Max. Et puis une petite Shiny Full Art. Et Angolia V Max. Moi, je trouve que donc ça se donc ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50% voilà, de plus. Non, mais même sans parler de 50%, on a deux Shiny Full Art, on a 15... Non, mais... C'est bon, ça a marché. Pourtant, c'est mal... Il y en a un coffret Pikachu qui a fait peur. Hein. Oui, oui, tu oui. Vois, en fait, ça qui est chiant... Il y a un coffret Pikachu qui a fait peur, et il y a un coffret Voix du Maître qui a fait peur. Ouais, non, mais les gens, comment on peut avoir un coffret Pikachu avec... Non, on a eu 5, ouais. On a eu 5 non. Non, mais pas celui qu'on vient d'avoir. Ah. Donc on a eu ça. Ouais. Avec. Scolosand et Zigzaton. Avec Non, on a eu Galvagon et Zigzaton. Glaçon. Non, Zigzaton. Béga Glaçon. Mais non, Zigzaton. Pas content, Zigzaton. Donc là, on peut avoir un coffret comme ça. Et après, on peut avoir un coffret. Attends. Juste avec Béga Glaçon. Je crois qu'il y avait que Béga Glaçon. Oui, c'est ça. Le versus, il est un peu dégueu, là. Ouais, 5 versus 1, quand même. Mais ça, un peu dommage, quoi, le oui, cut le, est le dégueulasse. Cut, ouais. J'espère que si on a Dracofeu un jour, il sera pas comme ça. Oui, j'espère aussi, ouais. Mais les gens, bah, toujours dans le petit objectif d'avoir une gold, Dracofeu, de compléter la collection, mais là, c'est exactement. Pas mal. Exactement, en plus, a eu... on a bien complété, parce qu'on a eu 2 cartes, en plus. On n'a pas très bien complété. Ça fait un peu cher les deux cartes. En fait, on commence à avoir des doubles, donc je pense que, voilà, au bout d'un moment, on arrêtera, on fera autre chose. Voilà. On fera une vidéo de la collection complète quand elle sera complète, les gens. Voilà. Pas hésiter à mettre un excellent pouce bleu, nous dire ce que vous en avez pensé de ces duels. Et moi j'attends Charmini Full Art avec impatience quand même. Je me demande s'il y a des primes quand même. Sauf qu'elle doit avoir 5 euros sur eBay. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut.